pour une telle situation, là, êtes-vous pas personne devant les vies? Information, là, on devant la place passant, on parle d'environ une cinquantaine de personnes devant. Tout est calme. C'est capté pour une cinquantaine de personnes devant. C'est calme, mais c'est bien. Ouais, mode d'information vient d'en arriver, c'est un groupe, là, quinzaine, 15-20, là, dont 3-4 qui étaient masqués. Par maison neuve. C'est capté. On essaie, en faisant ça, de créer un mouvement de peur là, avec la grève qui se prépare. Il y a une grande mobilisation. On a cherché les appuis de la communauté universitaire de l'UQAM au complet, de tous les syndicats de l'UQAM qui nous ont appuyés, les profs, les chargés de cours, des gens de l'extérieur aussi de l'UQAM, plein de partis politiques, des groupes écologistes, des groupes d'action communautaire, un énorme appui massif aussi des étudiants de l'Assemblée générale qui sont déjà prononcés pour des grèves illimitées jusqu'au au retrait en fait, des convocations ou des expulsions. Et la mobilisation va continuer jusqu'à temps que l'UQAM retire ces expulsions-là et en fait, cesse d'arrêter d'intimider des gens militants. Écoute le 799. Pas d'information, on parle plus d'environ 200 personnes présentement. Ça continue à élever tranquillement. Et on a aussi des banderoles de télérapport, là, de CSN qui sont parmi la foule. C'est capté. Moi, info, on est rendu à environ 350 personnes. C'est calme, il y a de la musique, c'est festif. Et il y a toujours environ là, une dizaine de personnes qui sont avec les pancartes, si ça ne permet la foule. C'est capté pour environ 350 manifestants, 54. La lecture de ces budgets.
présente ces budgets, on a l'impression que les chiffres ne sont pas manipulés, mais en ce moment, il y a des choix qui sont faits, des choix budgétaires, qui ne vont pas dans le sens d'une amélioration des qualités, de la qualité des études pour les étudiants, pour nous, pour les professeurs et l'ensemble des employés. Il y a aussi détérioration des conditions de travail. Alors, ça, c'est le côté qu'on présente. Dans ce contexte-là, nous, on est en renouvellement de notre convention collective. Ça va faire près d'un an qu'on négocie et ça avance à pas de tortue. On nous propose beaucoup de recul. Et donc, globalement, nous pensons qu'il faut effectivement l'associer aux décisions gouvernementales. C'est pas juste de l'équilibre budgétaire, c'est vraiment le démantèlement de l'État, le démantèlement des institutions, notamment des universités qui sont sous-financées. Tout le monde le reconnaît à l'exception du gouvernement. Bien, on est ici aujourd'hui pour dénoncer les expulsions, bien, les menaces d'expulsion politique qui sont faites à 9 étudiants de l'UQAM. Le rectorat utilise des prétextes un peu troubles dans la mesure où certaines des actions qui sont reprochées aux gens qui passent devant le comité d'expulsion datent de jusqu'à 2 ans. Le fait que ces expulsions soient faites justement quelques jours avant le déclenchement d'une grève qui fait certainement peur au rectorat, qui est lui un très grand partisan des mesures d'austérité. Donc ça nous fait croire que justement ce sont des expulsions politiques, puis on est là pour dénoncer cette ingérence dans la liberté d'expression et le droit d'association des étudiants de l'Université du Québec à Montréal. C'est important pour moi. Je pense qu'il faut être solidaire avec les expulsés. Ça n'a aucune allure ce que l'UQAM est en train de faire. C'est totalement inacceptable. On est des étudiants, on a le droit de s'exprimer, résister, c'est s'exprimer. Il y a eu tellement de répression policière, répression au niveau de l'administration du camp. C'est juste inacceptable, on ne peut pas se laisser faire. Je pense que c'est notre devoir comme étudiants de supporter ces étudiants-là. Parce qu'on est tous dans le même bateau, en fait. Est-ce qu'il va y avoir un mouvement vaste? On devrait voir la réaction à ce qui se passe. Et moi, je dois dire que devant la brutalité policière actuelle, c'est clair qu'on va continuer, comme on l'a fait par le passé, à dénoncer la brutalité policière, à exiger, on a déjà exigé dans le passé, une commission totalement indépendante pour faire enquête sur l'agissement de la police. OK. Merci beaucoup, monsieur. C'est pas mal scandaleux, en fait, maintenant. Je veux dire, l'UQAM tente de discipliner. C'est vraiment la sensation que j'ai. Les étudiants, pour éviter qu'ils s'impliquent socialement, à mon avis, éviter qu'ils militent. Pourtant, l'UQAM a été créé justement par des gens qui militaient pour l'éducation accessible à tous. Donc, c'est un revirement de situation, encore une fois, mais j'ai l'impression d'être en avant d'une certaine révolution conservatrice, je veux dire. Rien de moins que ça. Et puis, c'est déplorable. Je veux dire, c'est une attaque à nos institutions, c'est une attaque à l'éducation, c'est une attaque à la liberté de penser, à la liberté d'expression. C'est une attaque envers les citoyens. Et je trouve ça important pour nous. Moi, avec mon air, je suis pas un jeune étudiant. Puis nous, on a bien vu là, depuis des années le profilage, effectivement. Il existe. Mais la fois de cette manif-là, j'ai pu sortir de la souricière. Ça m'a permis de sortir de la souricière. Les gens qui font les recours collectifs, etc., sont au courant. Ils ont nos noms. Et effectivement, j'étais avec des jeunes, ils sont avec nous, on sort. Là, c'était ou vous restez avec eux, ou vous sortez tout seul. Autre chose qui me sidère aussi, c'est quand les gens subissent la brutalité policière, bien, on blâme la victime. On blâme la victime de la brutalité policière, en fait. On avait juste besoin de pas se trouver là et tout ça. Donc, on n'est pas capable de remettre en question le travail des policiers, savoir à quoi ils servent dans notre société. Et non plus, bien, les médias semblent avoir totalement, perdu la carte de qu'est-ce qu'eux doivent faire dans notre société. Ce qu'on constate toujours, c'est quand on vient, même le travail des journalistes là-dessus, on reprend le discours officiel. Allô? Ça va bien? Ah, ben là, les médias, je veux dire, on peut même plus regarder ça avec objectivité. Je veux dire, on sent qu'il y a comme une.
une haine, premièrement, envers ceux qui pourraient soulever des questionnements avant sur les enjeux sociaux. Et puis, c'est très biaisé. C'est-à-dire, ils ne veulent rien savoir d'avoir des gens qui s'expriment sur la place publique, qui manifestent, qui s'organisent collectivement. Ils ne veulent rien savoir de ça. Ça transparaît dans leurs nouvelles au jour le jour. Ben, écoute, je vais te dire une chose. Depuis 2012, j'ai appris que je ne devais plus lire les médias, ou du moins pas pour entendre des vraies histoires de fond. Pour avoir fait plusieurs entrevues pour le comité printemps 2015, je peux dire une chose, les médias anglophones font une crise de meilleur job que les médias francophones. Les médias anglophones posent des vraies questions de fond alors que les médias francophones veulent juste te faire dire une phrase qu'ils peuvent utiliser dans leur article idéologique. Alors je les emmerde, royalement. C'est repris par les gens. Moi, en fait, 2012 a été des moments de tension dans beaucoup de familles, hein, parce que les gens disaient, ben oui, vous aviez dû partir, qu'est-ce que vous aviez de faire là? Puis, alors que faut être là pour voir et comprendre comment, l'agression policière se prépare. Et vraiment, faut l'avoir vécu pour comprendre que pas dans le groupe. C'est juste la façon dont, comme je voyais là, ils se promènent à travers la foule. Ça crée une tension, hein? Mais il y avait les polices qui marchaient dans la manif. Il y avait une intention de vouloir montrer leur présence avec tout leur équipement. J'ai vu le fusil. Ça m'a pas rassuré. Puis je pense que j'ai pris ma caméra pour justement m'armer moi aussi, puis j'étais allée faire le tour de chaque police pour prendre des photos. C'est ma manière de les intimider, de les piquer, mais de manière facile. C'est malheureux, on vit une époque, je pense, triste et noire, mais bon, on espère qu'on va être capable de résister. On a eu la preuve, on est capable, on va l'avoir, ça va être dur. Pas d'information, les discours ont commencé. Ici, on parle d'une foule d'environ 500 personnes. J'ai capté pour une foule d'environ 500 personnes. En plus, au potentiellement général, les études de plusieurs étudiants et étudiantes motivés, en empêchant l'obtention de leur diplôme ou leur ascension au cycle supérieur, en plus de faire perdre leur emploi à d'autres étudiants et étudiantes présentement employés de l'UQAM, cette attaque concertée de l'administration de l'UQAM remet en question le droit de l'ensemble de la communauté universitaire, autant professeurs qu'employés, autant étudiants et étudiantes, que chaque cours de semaine entendre au sein de l'université. Par cette menace d'expulsion, l'UQAM envoie le message que les attaques personnellement à ceux qui ont interrogé ces choix budgétaires. Nous ne demandons pas le report des poursuites. Nous demandons le retrait immédiat des poursuites. Et dans notre maison, dans l'ensemble des personnes, bien sûr, vous pouvez tout à fait qu'on a reçu. Vous pouvez avoir un conseil, ça s'applique. Vous avez entendu tout le monde avoir des mandats de s'adapter. Il y a des mandats qui ont été pris dans les assemblées cette semaine. Le grève se lâche jusqu'à ce que les adaptations tombent. Jamais ne sera vaincu! Yeah!
parce qu'on peut voir si les gens rentrent à l'intérieur là, sur le côté est. Les gens rentrent à l'intérieur de l'université sur le côté est de Saint-Denis. Sont à l'intérieur, les différents chassemins au niveau métro, puis manifestent à cet endroit-là. Escalier mécanique.
bien beau. Merci. Peux-tu prendre ton nom? Oui, possible de m'appeler. Il y a une madame de l'UQAM qui vient de m'appeler. Il voudrait avoir quelqu'un à appeler pour donner des infos là, pour concernant les manifs. 183 au CCTI, là, on m'informe là, encore une fois sur mon téléphone. Là. Je l'ai relayé à M. Richer, l'inspecteur du 21, là, mais à l'UQAM, ça a l'air qu'il sort dehors et ça brosse. On sait ça, tu m'informes. Oh, je sais pas trop c'est qui est en charge des manifs. Là. On est à côté de l'UQAM sur Sanguinet. Puis il y a à peu près pas loin de 500-700 personnes qui viennent de sortir des pancartes tout ça. Ils prennent Saint-Denis vers le nord. À partir de. Ça forme toute l'entrée là, dans un avion de l'UQAM du côté nord, entre Sanguinet et Saint-Denis. Finalement, ils ont juste donné une swing, ils sont rentrés dans le camp par 5-4 en fait 5 minutes. C'est comme juste à quoi qu'il ressemble. Oui, juste ton info, tu peux garder les yeux sur la place passeport sur Sanguinet. Selon les sécurités du camp, il y aurait une possibilité qu'il ressorte par là. Alors, si c'est possible, on demanderait là, à vos policiers de se mettre deux par deux et demander aux gens de circuler. Ben, tout votre peloton de patrouiller deux par deux. Présentement, on regarde sur la caméra et c'est pas ça qu'on constate. De la deuxième au CCTI. On vous écoute?
Madame, on a été relevé par la troisième relève. Est-ce que vous avez besoin de nous encore? Négatif, merci beaucoup. Salut, à bientôt. On a eu un métro. Capté pour une poursuite à pied, Saint-Denis-Nord. Ça, c'est un individu masqué qui était pourchassé par les policiers. Capté pour l'individu masqué. Oui, c'est capté, là, les 87 en direction. Là. Viens voir, là, traverse le côté de la ligne, là, viens voir sur le bord du réserve. Capté, au 789. À l'écoute. Possible avoir un état de situation? Oui, madame, présentons une arrestation. Et on est au Saint-Denis, Saint-Denis. La situation, il y a environ 50 personnes de face au cinéma. Merci, merci. Oh, ça, c'est 97. Ça, viens me rejoindre au bord de la ligne, là. En avant du théâtre, du côté police. Là. Pour un état de situation. Oui. Donc, on a un homme maîtrisé, vraiment parce que le PC, une cinquantaine de personnes juste en avant du théâtre Saint-Denis. On attend une autre section PDP, il va avoir un avis qui va être donné. On va les inviter à circuler. Sinon, il va y avoir un groupe d'intervention en arrière pour les supporter. Capté. Pour information, le motif d'arrestation, là, c'est un méfait. Il aurait brisé la caméra d'un journaliste. Cassé. Merci. La vie de circuler donné, les policiers PDQ sont en train de faire avancer la foule. On aurait une 40 à 50 personnes, pas de résistance pour l'instant. Capté. CCT au 789. Monsieur, excusez, madame. C'est d'avoir un état de situation? Information, il y a un avis qui est donné face au Cinéplex Odéon et les gens circulent présentement sur le trottoir et on est en train de disperser les gens à partir entre Saint-Guinet et Saint-Denis sur Emery en direction au est sur la rue Emery. Et où
1799. Bien, vous écoute. Suite d'avoir un état de situation sur Pasteur. Oui, c'est bye. La presse Pasteur, il n'y a personne sur les lieux. 21-99 pour info. On écoute le 21-99. Oui, madame, on a fait un petit tour là, du périmètre. À l'extérieur, on n'observe pas de rassemblement. Puis, j'ai discuté avec les gens du CAM, mais à l'intérieur aussi, c'est tranquille. On va sortir le numéro, puis. Tant qu'à bonjour, moi je passais sur la rue comme ça, j'ai vu plein de policiers assez préoccupés de la situation parce que j'habite dans le quartier, puis dernièrement les policiers ont été pas mal violents envers des citoyens, et puis pourtant qui défendent des causes pas mal similaires à eux autres, genre en fait, parce que les policiers on les voit avec des corps héros, c'est-à-dire tout un revirement de situation depuis 2012, mais on comprend pourquoi ils luttent pour leur retraite. Je veux dire, personne ne voudrait voir sa retraite fondre au soleil ou être complètement dilapidé par un gouvernement qui arrive en place et qui veut de l'austérité. Et puis, ben ouais, les étudiants sont là pour une cause pas mal similaire, genre en fait des citoyens. On devrait parler de citoyens qui s'engagent envers leur avenir plutôt, donc, et non pas des manifestants. Mais bon, c'est ça. Puis moi, ben, je me promenais sur la rue, puis je me promène avec ma petite fille, puis bien content. Mais quand il y a trop de policiers, je trouve ça louche. Ouais, pour une petite situation, là, sur la place Pasteur, c'est revenu au calme, ainsi que sur Emery et Saint-Denis. Et la rue Saint-Denis, là, c'est revenu au calme. Capté. Les réseaux sociaux, je pense qu'il faut prendre avantage à tout ça. C'est notre manière de s'informer avec la bonne information véridique, pas juste. Ce que veulent donner les médias de masse ce que la masse veut recevoir des médias de masse ici. Une fausse présentation de ce qu'est tout ça. Mais même si mes photos, je vais peut-être. Je sais pas, il y en a quelques-unes que je peux faire un expo avec, mais les autres, même si la photo en tant que telle ne me sert pas, le geste d'aller m'approcher de la police, ça pour moi, ça a un poids. Photo superbe, là, j'ai aucune idée. Je me souviens pas c'est qui l'a pris, là, mais une photo superbe que j'ai repris pour notre page Facebook. Il y a moi qui lance là, la balle là, dans les airs, là, puis avec comme tout dans la foule, là, c'était magnifique. En fait, c'est pour symboliser notre solidarité avec les accusés. Puis c'est ça, on fait une courte pointe dans le fond. Montrer qu'on est solidaires, on est liés, on est côté serré. On avait passé accroché
laine. Fleurs, là, accrocher des bouts de laine un peu partout, dans les arbres, sur les poteaux, pour laisser justement de la place. Faire des trucs comme ça, laisser des poteaux. C'est ça. Le but, c'est d'avoir une visibilité, puis de montrer que la lutte, c'est pas juste quelque chose d'agressif, là, puis de. Non, c'est ça. Puis qu'on est capable d'être créatif, puis de faire des choses ludiques, puis. Pour rejoindre un public plus large. Ouais! Surtout! Un public surtout comme ça, que. Qui est moins informé aussi, ils ont peur de ce qui se passe en ce moment, ils savent pas trop quoi penser, ils regardent s'ils entendent la TVA, mettons. Puis avec la répression, puis tu sais, tout ce qui se passe, là, les gens ont peur d'aller manifester, puis ils disent comme « Ah, des manifs, c'est toujours violent, c'est... » Tu sais, mais non, il n'y a pas juste ça. Il y a d'autres alternatives, il y a d'autres façons de lutter. Puis en fait, le bloc de laine, c'est le seul but, c'est d'avoir quelque chose qui est très créatif, puis de donner un ton plus joyeux, tu sais, à la lutte. Ça dépend des médias. Il y en a qui sont disons, plus neutres, puis il y en a d'autres qui voudraient qu'ils ridiculisent le mouvement. Ben, ou les événements, mais le mouvement en général aussi. Ouais, faut chercher notre. Il faut aller chercher de l'information un peu partout. Pas juste dans les médias de masse. Parce que, en fait, les médias de masse, souvent, c'est de l'information. Dirigée. Oui, qui est dirigée, mais qui veut aller chercher. C'est du sensationnalisme. C'est ça. Je perdais un peu. Mais ouais. Mais sinon, beaucoup de médias alternatifs sont pas ils sont peut-être pas neutres, mais ils devraient être plus pris en considération, mais qui ont une information qui est peut-être un peu plus juste pour la plupart. Il y a beaucoup de documentation aussi qui se fait par les militants même. Il y a beaucoup d'étudiants photographes ou reporters ou, qui prennent justement le libre arbitre de filmer puis de se faire leur propre média. Puis je trouve que c'est ça qui est intéressant, en fait. Ça vient chercher un autre point de vue de ce qu'on entend souvent aux nouvelles. En fait, moi, j'écoute jamais les nouvelles. Je me suis tannée des écouter. J'en demande beaucoup, hein. Faut être en direct, faut tourner, faut faire le reportage, faut tout faire en même temps. Tu peux pas faire ta job comme du monde. Oublie ça, la recherche. Oublie ça. Je trouve que l'information n'est pas nécessairement plus fiable d'un côté ou de l'autre, mais ce qui est plus fiable, en fait, c'est d'aller chercher cette diversité. Avec ça qu'on reste critique et qu'on est capable de se faire une bonne idée, tu sais, de... Je dirais pas la vérité, là, parce que c'est difficile, là. C'est pas quelque chose qu'on... T'sais, on peut longtemps, comme, aller chercher des débats philosophiques sur qu'est-ce que la vérité. Je crois pas qu'il y a une vérité. Il y a pas une vérité absolue, parce qu'il y a énormément de discours différents. Puis c'est justement ça le problème souvent avec les médias, c'est que ils choisissent, tu sais, de cadrer ce qu'ils vont aller chercher comme information, puis ce qu'ils vont divulguer. Puis l'information est pas nécessairement fausse, c'est juste qu'elle, tu sais, elle exclut certaines choses. Puis en excluant certaines choses, c'est là que on perd une partie de la dite vérité, là, mais il n'y a pas vraiment de... Il peut y avoir plusieurs discours, puis plusieurs discours qui disent qui ne mentent pas, en fait.
c'est juste qu'il faut entendre chacun d'eux pour être capable de comprendre ce qui se passe réellement. Moi, je suis les conseils des politiques. Salut, Charles. Qu'on se tienne loin de ça, c'est ça? Oui, correct. Regarde, on suit les consignes. Moi, je me souviens d'une image qui a circulé, je sais pas si c'était en 2012 ou en 2013, peu importe. Puis, Une image de quoi? Une image de ça, justement, qui caricaturait ce sens-là de dire comme bon, les médias montrent ça. Puis, dans le fond, c'est une photo qui était montrée seulement une partie de la photo. Oui. Puis après ça, on voyait une autre partie de la photo. Puis là, il y avait comme deux discours différents. Puis on voyait l'ensemble de la photo. Et tu voyais dans le fond que le discours changeait énormément entre les trois images. T'sais, l'impression que ça donne sur. Sur la population, en fait, de ces trois images-là est totalement différente. Il y avait des soldats, puis quelqu'un qui était, bon, des soldats armés qui pointaient vers quelqu'un qui était à genoux par terre, les mains en arrière de la tête. Puis quand tu voyais le reste de l'image, ils donnaient de l'eau. Ils donnaient à boire à la personne qui était par terre, t'sais. Mais si tu montrais seulement une partie de l'image, en fait, tu voyais que les soldats qui étaient armés devant quelqu'un d'accroupi, tu sais, puis qui était pacifique, là, qui était vulnérable, tout à fait. Ce qui est choquant, en fait, c'est que les médias vont chercher des images qui attirent le plus d'attention de la population sans se soucier de rendre compte de ce qui est réel. T'sais. Parler des médias longtemps, très longtemps. Ça me fait penser au génial petit livre jaune que je sais plus, il est rendu où, il faudrait que je le retrouve, de Normand Baillargeon, Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Un livre tellement pertinent. Il y a des profs, plusieurs profs qui font lire ça à leurs étudiants. Moi, j'ai lu ça dans le cadre de mon cours de français. Au cégep, mon dernier cours de français. Un peu louche, puis ça peut nous mettre dans le trouble, mais c'est bien d'être curieux. C'est, des fois, la curiosité, ça peut aussi nous mener dans des manifs un peu trash. Parlant par expérience. Récente. Ah, merde, j'arrive au bout du film. Fait des examens, on a plusieurs interpellations de fait déjà.
Alors, à l'intérieur de l'UQAM, il y aurait 250 à 300 personnes qui se barricadent vraiment. On n'a pas encore réussi à pénétrer à l'intérieur. Là, c'est énormément barricadé. On doit fracasser les vitrines pour pouvoir se permettre d'accéder à l'entrée. Okay, monsieur. Elle a fait entrer des gens en armes dans notre université. Depuis une semaine, les médias n'ont parlé que de casse, rendant invisibles les raisons qui nous ont amenés à occuper le pavillon de sel. Le retrait des expulsions, le retrait des injonctions, la décriminalisation du droit de grève que nous exerçons collectivement depuis un demi-siècle. Il y a une semaine, 22 étudiantes et étudiants ont été arrêtés. Nous sommes ici pour dire à la direction que cet affront ne sera pas oublié. Gardien de la paix, tu sûr que c'est bien elle que tu gardes derrière ton bouclier. Ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on a mal. Et tu sur la mort choisis le bon camp. Rêvais-tu vraiment à ça quand t'étais enfant? Si t'avais choisi ce métier pour protéger les gens, pourquoi es-tu ici en train de protéger? C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Regarde comme tu es bien plus armé que nous, avec tes grenades contre nos cailloux. Si tu nous tabasses, si tu t'en balances, ce sera l'escalade de la violence. Gardien de la paix, Turc, c'est bien là que tu gardes derrière ton bouclier. Ouvre grand les yeux. Pour la paix, tu es qui?
côtés puis les gènes. Cette terre qu'on défend est aussi la sienne. Pour ton bouclier, pour garder, tu es juste. Viens boire un café avec les grévistes. Et dans tes œillères contre les puis les gènes. Cette terre qu'on défend est aussi la sienne. Pousse ton bouclier, prouve-leur que tu existes. Viens boire un café avec les zadistes. Qui dans tes œillères ton poste et puis tes chaînes. Cette terre qu'on défend est aussi la tienne. Cette terre qu'on défend est aussi la tienne.